Eh bien bonjour à tous les amis, c'est CoolTNT et on se retrouve aujourd'hui sur M-Creator. Donc M-Creator qui est, comme vous le savez, un logiciel pour faire des mods Minecraft très facilement. Et aujourd'hui, on va voir l'armure. Oui, je sais. On était censé voir les procédures, mais je me suis rendu compte que déjà ça, faut que je l'enlève. Et du coup, comme je vous disais, je me suis rendu compte que ça aurait été mieux de faire les procédures en même temps que des objets qui en ont clairement besoin. Je vais vous donner un exemple parce que je me sens pas très clair là, vous voyez. Alors, en gros, je vais faire une TNT. Bah, je vais vous montrer la procédure avec. Là, par exemple, en faisant ces armures, je vais vous montrer une procédure qui peut être importante, qu'on peut avoir besoin. Donc déjà on part tout de suite, donc on avait fait le copper ingot, on va pas se saouler plus que ça. On va se faire tout de suite la copper armor, hein, l'armure de copper. Donc vous connaissez comment ça marche. Hop, on va Windows R, pourcentage appdata pourcentage, point Minecraft, version, donc on peut passer en 1.14 maintenant, on a tous les blocs là-dedans, c'est cool. Non parce que c'est vrai que les textures ont changé en 1.14, donc c'est mieux d'aller ici. Texture, bloc, voilà, on a tout ici. Et on va rechercher armor. Et bien sûr, c'est pas ici, parce que je me suis plantée. Non, c'est pas dans texture, c'est dans item déjà, pour avoir l'item des armures. Armor. Ah bah non. Ah bon. Bon. Ah alors, est-ce qu'il y a armor? Non, armor stand. Et il n'y a pas de armor. Tout 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 tout. Ah voilà, c'était dans texture modèle, armor, et là voilà, on arrive ici. Bon du coup, on va prendre iron layer déjà. On va ouais. Voilà, on va devoir prendre les deux. Donc déjà on va en prendre un. Oula, je fais quelque chose, je ne sais pas quoi. On ouvre. Du coup, on a ça juste là. Alors, est-ce que aujourd'hui on a de la chance? Tout, je sais plus où c'est. Crotte. Ajustement peut-être plutôt. Ouais, c'est sa teinte. On va essayer de le passer. Ok, ça ne marche pas. Il n'y a que celui-là qui marche. Je ne sais pas pourquoi. Le reste ne marche pas. Bon, du coup, ce que l'on va faire aujourd'hui, vous le savez très bien. On va déjà recolorier tout ça. Bon, en fait, vous savez quoi, c'est un petit peu trop long. Donc, vous pouvez le faire chez vous, tout tranquillement. Mais moi, normalement, j'en ai un autre. Espérons. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de chance ou est-ce que je n'en ai point? Du coup, ça aurait été dans M-Creator. Where are you? Ici. Et du coup, botte d'uranium. Voilà, j'avais fait ça en uranium. Donc, à la fin, vous aurez un... Là, je vais le faire en uranium, donc en gros. Voilà, du coup, on a ces deux-là. En uranium, tout sympathique. Et, je vais pas le refaire pour le copper. On va dire que c'est de l'uranium. En gros, le copper s'est transformé en uranium par une déformation physique qui s'est fabriquée dans la table de craft. Parce qu'il y avait trop d'acariens, voilà, on va dire ça comme ça. Et, du coup, parce que ce n'est pas tout, il va nous falloir aussi, bien sûr, pas que les armures... Mais aussi, si c'est dans texture, les... où c'est... pourquoi je vais dans fonte, moi?
Voilà, dans item, on va prendre les iron boots, les leggings et tout. Vous allez faire ça pour tous les trucs. Donc moi, j'ai déjà tout fait juste là. Ok, j'avais même fait l'armure de cheval, mais bon, on va pas voir ça aujourd'hui. J'avais même fait les outils, alors vous voyez, je m'étais bien saoulé moi pour faire tout ça. Bon, du coup, on retourne sur M Creator, on fait add armor. Ensuite, on appelle l'armor copium. Voilà, après l'uranium, le copium. Armor. Hop, et là ils vont vous demander le casque. Donc on va import texture. On va retrouver nos petits machins. Where they are? On se demande tous. Voilà, juste là. Et du coup, on va importer. Oula, pour les trouver, botte d'uranium. Ouvrir. On va importer encore. On a les bottes. On va importer les layers, c'est important. Fallait même le faire avant, ça me le rappelle comme ça au moins. Layer. Ensuite, on importe. Faut tout importer, tout importer. Casque d'uranium. Hop. On importe. Les jambières d'uranium. Et on importe le plastron. Voilà. On a tout importé, c'est très bien. On va juste faire comme si on sélectionnait ça. Mais on fait cancel. Pourquoi? En gros, ici, comme si que ça ne suffisait pas, on va aller dans ressources. Où est-ce que c'est? Non, c'est pas là. Je suis à la recherche du truc. Avant, je sais comment on faisait. On va retourner sur Armor. Vous savez quoi? On va faire encore le copium Armor. Voilà. Avant, c'était comme ça. Maintenant, je sais pas. Vous pouvez aussi les disable juste ici. En gros, si vous voulez pas qu'il y ait de plastron, vous pouvez faire ici. Ensuite, on continue. On continue. Et on finit. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a ici tous nos petits. Donc en gros, il n'y en a pas beaucoup. Donc en gros, là, c'est quand vous portez le casque, qu'est-ce qui se passe? Quand vous portez le plastron, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Du coup, nous, on va dire que quand on porte le casque, vu que c'est du copium, j'allais dire de l'uranium, bon, vous allez faire plus. Create procedure. Et là, je vais vous montrer la première procédure de tout ce monde. Non, de toute ma chaîne plutôt. Du coup, en gros, nous, là, ce qu'on va vouloir, c'est que dès qu'il le porte, il est une. Il est, comment dire, une potion de vision nocturne. Parce que c'est du copium. Et voilà, add potion, weave level 1. Voilà, et là, on a le truc. Du coup, on va chercher notre. Truc. Where are you? Night vision, voilà. Du coup, on va mettre la duration. La duration. À 0,1. Parce que, en gros, du coup, ce que ça va faire. On va laisser level 1. En gros, là, ce qu'on va faire, c'est que, vu qu'on a mis 0,1, dès qu'il va l'enlever, il y aura juste 0,1 seconde pour. Plus qu'il ait l'effet. Voilà. En tout cas, ne mettez pas en dessous de 0,05 parce que là, ça ne marchera plus tout simplement. Parce que un tick dans Minecraft, c'est 0,05 justement. Du coup, vous pouvez faire ça pour tous les trucs et ventes là. Ouais, et du coup, je sais pas si vous avez vu, mais c'est dans Entity et vous pouvez descendre Add Potion with Level. Voilà. Et vous pouvez même choisir s'il y a les particules ou pas. Mais moi je m'en fous. Voilà. Save. Voilà. Next. Ensuite, Armor Name. Donc, Copium Armor. Voilà. Donc, on peut mettre ça dans combat. Ouais, tout à fait. Alors, voilà. Select texture. C'est bien le problème. Voilà. Donc, en gros, il va nous falloir importer dans les ressources.
C'est quelque part. Je le sais. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Non, merci. Bon, il faut que je voie. Bon, je vous retrouve juste après. C'est bon, j'ai trouvé. Enfin. Bon, en gros, par contre, juste avant tout, il faut impérativement que vos deux layers finissent le premier par layer 1. Bah attendez, je vais vous montrer, vous savez quoi, ce sera plus rapide. Faut que ça finisse comme ça, layer underscore 1 et là layer underscore 2. Sinon ça ne marchera pas. Enfin en tout cas avant c'est comme ça que ça faisait. Bon du coup on va faire import texture, armor texture, tout simplement. Et on va prendre le layer 1, voilà. Layer 1, vous voyez, il a pris que celui qui finissait par layer 1 à la fin. On va ouvrir et on va prendre la layer 2. Ok, il y a encore juste celle-là. Donc c'est important que vous l'ayez renommé avec à la fin layer underscore 1 ou 2. Ensuite, voilà. Ok, du coup, on a ça juste là. On peut rouvrir Copium Armor. Hop. Voilà. On a tout ça. Et en gros. Du coup, combien de damage d'attaque est-ce qu'elle va absorber? Voilà. En gros, ici c'est le bah c'est justement pour les c'est les cas particuliers juste là. Et ensuite, est-ce que c'est facilement enchantable? Non. Pourquoi 0,4? Non, c'était 1. Voilà. Non, moi je veux pas du tout que ce le soit. Et Tougnes. Bon, désolé. Bon, attendez, vous savez quoi? On va tester un truc en live. On va aller sur Reverso, que je vous conseille très fortement. Et on va taper Tougnes. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et bien sûr, il avait pas vu. Voilà, ténacité, dureté. La résistance. On a notre mot. Voilà. On connaît tout maintenant. Bon, en gros, la résistance. Donc, 0 si c'est un truc tout à fait basique. 1 pour que ce soit un petit peu plus genre fer. Et 2, c'est comme le diamant. Après, vous pouvez mettre 500 000. Ce qui sera totalement abusé. Donc, nous, on va mettre. Vu que c'est du copium quand même, on va mettre 3. Parce que c'est quand même super puissant, hein, le copium. Voilà. Bon, ensuite, vous pouvez bien sûr ajouter... Enfin, une récipie, je pense. Je sais même pas. Je vais tester avec vous. Armor. Récipe. Est-ce que... Ouais, voilà. Et en gros, vous prenez la partie que vous voulez. Donc, je sais, les textures sont dégueulasses. Mais on va pas mince, on va pas les juger les qu'est-ce que j'ai dit là? On va pas les juger pour leur texture. Voilà. Du coup, on lance Minecraft launching. Allez. Oh, ça fait beaucoup. Bon, du coup, il lance Minecraft. Voilà. Du coup, c'était là, je crois. Non, mode YouTube. Je crois que c'était là. Please. Voilà, ça doit être là. Espérons. Voilà. Bon, oui, c'est là où j'avais fait mon test avec la pioche en cuivre et la diamante pickaxe. Bon, du coup, je suis en survie. C'est pas vraiment le truc voulu. Donc, game mode 1. Hop. Et maintenant, on va aller chercher dans combat. Du coup, tout en bas. Donc, vous voyez que là, déjà, la texture est meilleure. Que, si vous vous rappelez juste avant,
On peut se les équiper. Donc le truc c'est que si vous... Voilà. Je sais pas si vous avez vu. Bon déjà, vous avez vu la Night Vision. Et dès que j'enlèverai mon casque, et eh ben ça va se... Oh, j'ai du skill, vous trouvez pas? Bon. Du coup... Ce qui se passe, c'est que si vous aviez pas mis les layers, les textures ici seraient magnifiquement bien apparues. Mais sur vous, eh ben non. Voilà. En gros, les layers, c'était pour vous. Bon, du coup, maintenant, si par hasard on enlevait le casque, directement ça s'enlève. On peut même jouer avec ça, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, en 0,1 seconde, ça va s'enlever. Et si vous aviez mis 0,05 secondes, ça risquerait de planter. Si vous voulez faire un truc vraiment hyper rapide, pour vraiment éviter de tricher avec, enfin de tricher, on pourrait pas trop tricher, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi ajouter, par exemple, un effet de nausée. Et pour les bots, par exemple, un effet de nausée. Et en même temps, un effet de speed. Comme ça, ils pourraient avoir, bah, je sais pas, des bonus et des malus par la même occasion. Bon, et du coup, ce que je vous disais, c'était que le mieux que vous pouvez faire, c'est 0,06. Là, c'est vraiment le perfect. Vous pouvez pas faire mieux, pratiquement. Du coup, bah, je vais vous laisser hein, avec mon skill. Coucou. Bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les amis!